Apparemment, les gens qui sont contre les lois par ordonnance d'Emmanuel Macron sont des fainéants, des cyniques et des extrêmes. C'est Macron lui-même qui l'a dit, hein, dans un discours qu'il a prononcé à Athènes vendredi. Alors d'abord, j'ai cru qu'il parlait des gens qui peuvent pas se payer un costard, puisque Macron lui-même l'a sorti. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Sous-entendu, si t'as pas de costard, c'est que tu fous rien. Après, je me suis dit, il y a des gens qui foutent rien et qui ont quand même un costard. Et là, j'ai compris. Macron, il parlait des députés. Des gens qui se mettent bien et qui viennent pas bosser, ces députés à lui. Comme par exemple le député En Marche de l'Hérault, Patrick Vignal, qui accumulait zéro journée de présence à l'Assemblée nationale depuis son élection. Enfin lui, il fait partie du top des députés branleurs, enfin députés les moins actifs, comme on dit, hein. Mais il y en a d'autres, et évidemment, ça concerne pas que En Marche. En tout cas, des députés qui viennent pas ou qui dorment quand ils viennent, mais qui sont toujours payés leurs 7000 balles par mois avec leurs indemnités. En fait, c'était de ça qu'il parlait quand il disait les fainéants. Alors du coup, je me suis dit, il doit y avoir un autre truc hein, derrière le terme cynique. Ça doit évidemment pas faire référence à la définition étymologique du cynisme, à savoir qui a trait au chien. Non, en fait, là, il devait parler de gens arrogants, des gens qui se moquent de la morale, qui se considèrent supérieurs à tout le monde. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est souvent utilisé pour parler des politiciens. Non, je ne ferai pas de blague avec politiciens. Oui, des gens qui ont un désintérêt moqueur pour d'autres personnes ou des choses, voire carrément un pays, hein, bah ça c'est propre aux politiciens. Par exemple, je sais pas moi, les gens qui parlent de gens qui ne sont rien en opposition aux gens qui ont réussi. Là je vois c'est quoi le cynisme. Ou quand je vois Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en charge des fameuses ordonnances qui vont soi-disant faciliter les emplois en facilitant les licenciements et en diminuant les indemnités aux prud'hommes. Hein, et ben Pénicaud, avant, elle était DRH chez Danone. Et avant de partir de chez Danone, elle s'est fait un max de blé, genre 1 ou 2 millions d'euros, on n'est pas trop sûr, après un plan social qu'elle aurait elle-même annoncé. Donc en fait, elle se serait fait plus ou moins du blé sur la misère d'autres gens. Voilà, maintenant je vois c'est quoi être cynique. Puis alors les extrêmes c'est plus compliqué, hein, parce que extrême, je vois pas comment on peut qualifier des gens d'extrêmes. Extrémistes par contre, je vois. Au début je me suis dit, c'est des gens violents, genre le député En Marche El Guérab qui a tabassé un cadre du PS. Là oui je vois, mais en fait je pense qu'il parlait pas de ça, je pense qu'il parlait des extrémistes idéologiques. À savoir des gens qui sont complètement aveuglés par une vision du monde et qui vont faire primer leur idéologie sur tout le reste, en dépit de la réalité, même si ça colle pas du tout avec la réalité du moment. Par exemple, quand Édouard Philippe dit que l'État n'a pas d'argent, mais qu'il fait des cadeaux de 3 milliards d'impôts aux 0,01% de gens les plus riches de France. Ça compte aussi comme du cynisme, en fait, ça, non? Au passage, hein, 3 milliards, c'était ce que coûtaient à l'État les contrats aidés, qui ont été gelés, en mettant plein de monde dans la merde, pour filer de l'argent à environ 3000 personnes qui en avaient pas besoin. Mais voilà, merci, parce que grâce à Macron et un dictionnaire, j'ai enfin pu comprendre qui étaient ces fameux fainéants, ces cyniques, ces extrémistes face auxquels Macron n'allait rien céder. C'est les gens qui bossent pour lui. Et du coup, je comprends plus rien. Parce que c'était censé être relatif aux gens qui sont contre ces lois par ordonnance. Et là, en fait, c'est les branleurs de députés qui les votent, les cyniques qui les font, et les extrémistes qui prennent les décisions à la tête de l'État contre tout bon sens. Bon, en même temps, Macron, le double discours, c'est un peu sa spécialité. Il y a qu'à voir, là, ce qu'il a fait à Athènes. Puis bon, la démocratie, hein, de la part d'un mec qui annonce qu'il va quand même essentiellement gouverner par ordonnance, ça fait un peu rigoler. Et les ordonnances, c'est quoi? C'est un héritage de l'Ancien Régime, un héritage des rois, avant la démocratie. Et d'un temps où les rois, dans le genre cynique, extrémiste et fainéant, bon ben ceux-là, on sait comment ça finit pour eux.